Salut, salut, c'est Athénos. On se retrouve après le sabbat de l'Ita. J'espère que pour ceux qui l'ont fêté, c'était très 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 bien. En plus, qu'on a chopé Esba sabbat cette année. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fêté car je fête généralement que les sabbats majeurs. Mais voilà, je voulais absolument faire cette vidéo très rapidement pour annoncer les résultats du concours des 650 abonnés. On est monté à 700 aujourd'hui, pas aujourd'hui, dans la semaine. Donc voilà, pour vous dire comment ça aurait été fait le tirage au sort, je savais pas trop comment faire en fait. J'avais pas envie de marquer, mais il y avait 65 personnes qui a participé. Je remercie vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y aura d'autres concours, je tiens à le préciser parce que je vois que ça fait plaisir à tout le monde. Donc comment j'ai fait pour déterminer qui a gagné quoi? J'ai eu l'idée de prendre des tarots tout simplement, où j'ai battu mes tarots et parfois je retirais une ou deux cartes, parfois il y a une carte qui tombait donc je regardais le numéro et selon le numéro de l'arcane, je comptais tout simplement, voilà, au hasard. Alors, on va commencer par le numéro 1, le lot numéro 1 qui était donc le pendule et le mini lobe antenne. Eh bien, c'est Sylvain Renaud qui a gagné. Sylvain, félicitations pour ce lot numéro 1. Tous ceux qui ont gagné, bien sûr, viennent me contacter en MP pour me donner leur adresse pour que je puisse leur envoyer leur lot. Bien naturellement, ça ne va pas arriver par l'opération des esprits. Le lot numéro 2 qui a intéressé beaucoup beaucoup de monde, mais c'est pas moi, c'est les tarots qui ont décidé, qui a gagné donc ce pendule runique avec les ogames, c'est la Corneille Wiccan qui a gagné ce lot numéro 2, donc bravo à toi la Corneille Wiccan. Pour le lot numéro 3, alors c'était très amusant parce qu'avant qu'on m'excuse de tricherie ou je ne sais quoi, j'en sais pas juste, la voulait. Donc toujours par les tarots, ce qui est très marrant c'est que j'avais pris des tarots en main et cette carte m'a sauté carrément au visage, c'est ça qui est très drôle. Donc, eh bien c'est l'ange de Gaïa qui a gagné, oui, qui avait la carte de l'impératrice, comme quoi je pense que ça te représente bien, qui m'a carrément littéralement sauté dessus. Donc ça correspond à ton numéro, donc bravo Véro, tu as gagné. La robe, et j'ai fait un petit lot numéro 4 car c'est la seule personne qui me l'a demandé, donc là bien sûr ce n'est pas la loi du hasard, pardon. Pour le pantalon toile d'araignée, et là c'est Astéria, ma belle Astéria de Belgique, qui a gagné ce pantalon toile d'araignée. Donc tout le monde, je remercie vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde pour votre participation. Quand on arrivera, je pense, à 1000 abonnés, là, je vous promets, j'en ferai encore un beau concours avec des piquins, des pendules, des pierres, même des sortilèges peut-être à donner. Je verrai bien. On attend un petit peu, peut-être que ça va aller vite. Hein. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Parfois, je préfère faire des directs parce que c'est plus facile, je peux répondre à plus de questions de tout le monde. Donc voilà, ne soyez pas trop déçus ceux qui ont raté. Il y aura d'autres concours, je vous le promets. Voilà. Passez une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao !